Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Il est temps, parce que ça fait un petit moment, de réembarquer pour Westeros et parler de la saison 5 de Game of Thrones. Donc ne zappe pas. Game of Thrones saison 5 donc, est toujours réalisé par D.B. Weiss et David Benioff. Il n'y a plus les romans de G.R.R. Martin pour s'appuyer dessus, puisqu'il n'a pas fini d'écrire son histoire. Et la saison était en moyenne suivie entre par 6,8 7,1 millions de téléspectateurs aux USA, en sachant qu'il y avait un pic à l'épisode 10 qui atteignait 8 millions de téléspectateurs. C'est juste énorme pour une série après 5 saisons de voir qu'il y a encore des gens qui s'ameutent par le bouche à oreille, etc., pour visionner la série. Après, il y a aussi une petite anomalie, 5,4 millions pour un épisode, je sais plus lequel. Bon, c'est la tâche au tableau, mais quand même, Game of Thrones est vraiment sur une pente ascendante à ce moment-là. Moi, dans mon souvenir, comme j'ai pu te le dire dans mes autres vidéos, que tu peux voir d'ailleurs les vignettes qui vont apparaître pour la saison 1, 2, 3, 4 et 8, dans mon souvenir, cette saison 5 était pas terrible, et en fait, si. Donc, je pense que ça va être surtout en épisode 6 que ça va être galère, avec tout ce qui va être l'ordre de la foi qui va traîner là à Port-Réal, ça va être interminable. Et puis aussi toute la quête de d'Arya avec les 100 visages aussi de mon souvenir qui est très très long aussi. Donc on verra la saison 6 quand je la visionnerai, mais en tout cas, voilà. La saison 5 était donc pour moi très bonne, mais par contre il y a des problèmes qui commencent sérieusement à se ressentir. Est-ce l'absence des romans ou est-ce que les showrunners fatiguent un peu? Mais en tout cas, il y a des grosses facilités scénaristiques qui vont venir. Et on va en parler. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers et elle sera longue parce que j'ai pris vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de notes pour celle-ci. Ta 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 ta. Allons-y. Épisode 1, donc on assiste à un flashback où nous rencontrons Cersei, jeune ado, qui va voir une sorcière qui va lui prédire son avenir. Elle lui dit qu'elle sera reine pour un temps, mais qu'elle sera détrônée par une plus belle et une plus jeune qu'elle. Qu'elle perdra donc du coup ses trois enfants et que ce seront trois enfants qui ne seront pas du roi. Voilà. Donc en effet, hein, cette prémonition est bien juste parce qu'on sait tous que les trois enfants de Cersei ne sont pas du roi Baratheon, de son défunt mari. On sait que déjà il y en a un des trois qui est mort, Joffrey. Et donc après, ben, reste à savoir qui va la détrôner, Margaery ou Daenerys, parce que même si on connaît la fin, en saison 5, si on fait abstraction du reste, il y a ces deux potentiels qui sont en course. Il y a les fils de la harpie Amérine qui apparaissent et qui commencent à tuer des immaculés de manière un petit peu ponctuelle. On retrouve le cousin de Cersei, oui, Lancel, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était l'écuyer de Baratheon avec qui Cersei couchait, très important ça. Et donc là, on apprend qu'il a contribué à la mort donc, de Baratheon, même si on s'en doutait, et qu'il fait partie maintenant de l'ordre des moineaux. Voilà. Varys propose à Tyrion d'aller trouver Daenerys. Mance, qui a réussi à réunir quand même 90 tribus de sauvageons, refuse de prêter allégeance à Stannis, parce que pour lui c'est un homme libre, c'est l'homme au-delà du mur libre, c'est le peuple libre, et il est brûlé, et donc du coup, avant qu'il ne meure brûlé sur le bûcher, Jon décide de mettre fin à ses jours en lui tirant une flèche dans le cœur. Donc cet épisode 1 est vraiment très dynamique. Pour moi, par contre, il y a un gros bémol, c'est l'ordre des moineaux qui arrive comme ça. Paf! Comme un cheveu sur la soupe, hein. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est une première facilité scénaristique. Il va y en avoir deux dans la saison. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus les livres ou pas? Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu gênant parce qu'on n'en a jamais entendu parler auparavant. Et là, ça arrive. Et en plus, c'est quelque chose qui va vraiment servir le scénario, entre guillemets, parce qu'on en reparlera plus tard. Mais du coup, voilà, ça, c'est attrayant pour la saison 5. Mais voilà, je trouve que tout ce qui va être autour, en plus, va pas forcément être très très bien géré. Et voilà. L'épisode 2, donc il y a Daenerys qui dit ne pas être son père, le roi fou, et elle accepte de donner un procès équitable aux fils de la Harpie qui ont été capturés pour avoir assassiné des Immaculés. Donc là, on est toujours en saison 5, et excusez-moi, mais Daenerys n'est toujours pas folle, et on se rend bien compte que, en fait, c'est pas une question que de sang, comme ce qu'on essaie de me faire croire après dans la saison 8, mais bien une question d'esprit et de tête. Donc pour l'instant, elle n'a pas perdu cette tête. Sansa croise Brienne et refuse l'aide de Brienne. Adorne, la compagne d'Oberyn, demande vengeance. Donc la compagne d'Oberyn, c'était, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Voilà, elle demande vengeance pour l'assassinat d'Oberyn, mais en fait le frère d'Oberyn refuse. Daenerys retrouve Drogo, son dragon, et elle fait exécuter un ancien esclave qui a assassiné un maître, créant ainsi la défiance des esclaves libres.
Oui, donc ça pour moi c'est une grosse erreur stratégique et politique de Daenerys. Elle aurait dû accorder un procès à cet ancien esclave parce que bon, il avait le droit de se défendre. Elle était prête à le faire du coup pour les fils de la harpie qui avaient été capturés. Et là, du coup, sur un coup de tête, elle décide, enfin, c'est pas un coup de tête, mais elle décide quand même de faire tuer cet esclave. Ben, du coup, c'est vrai que politiquement, c'est pas un choix et qu'elle risque, elle est déjà dans une situation pas très stable. Donc là, du coup, elle jette de l'huile sur le feu, très clairement. Donc pour moi, c'est une erreur. Épisode 3, Jack Harkin évoque le dieu Multiface. Voilà. Tommen et Margaery se marient. La lutte entre Cersei et Margaery, du coup, s'intensifie puisqu'on apprend que Margaery a, en essayant de manipuler Tommen, essayé de faire en sorte de faire partir Cersei à Castle Rock. Bien entendu, ça n'a pas fonctionné. Et on découvre que Roose Bolton et Littlefinger ont fait un petit marché. En effet, Roose aimerait que Sansa épouse Ramsay. Et donc, Littlefinger expose son petit plan comme ça à Sansa, qui, bah, bien sûr, accepte. Non mais, forcément, attends, c'est super cool d'épouser le mec qui a assassiné ta mère et puis ton frère. Donc voilà, encore une facilité scénaristique, un truc un petit peu débile et tiré par les cheveux, mais bon. Et donc il y a toujours Brienne et Pod qui, malgré le refus de l'aide de Sansa, Sansa les a recalés, ils continuent quand même d'essayer de veiller au loin sur Sansa. Et il y a Arya donc, qui jette son passé à l'eau, parce que bah, pour être une sans visage, il faut faire, il faut n'être personne. Donc elle jette son passé à l'eau en jetant ses fringues, mais par contre, pas aiguille, puisqu'elle planque aiguille sous un amont de caillasse. Il y a John qui exécute Messeira Janos, bon ça c'est anecdotique, et surtout à Port-Réal, il y a un gros événement, il y a le Grand Septon qui était aux côtés de Cersei, qui se fait capturer par les moineaux en plein moment de fornication dans le bordel de Littlefinger. Et donc ben, le Grand Septon va demander à Cersei de faire exécuter le Grand Moineau parce que c'est inacceptable qu'on arrête le Grand Septon, etc. Et du coup, Cersei va aller trouver le Grand Moineau, on dit ouais, c'est cool. Mais en fait, non, c'est pas pour exécuter le Grand Moineau comme l'a demandé le Grand Septon, mais plutôt pour autre chose. Donc, Avalanche, Tyrion et Varys découvrent une autre Dame Rouge. Donc là, du coup, on découvre que la confrérie des Dames Rouges est plus large, qu'il n'y en a pas qu'une, et qu'elle est capable d'enlever la grise écaille, donc la maladie de Pierre. Et donc, Avalanche toujours, Jorah va se retrouver dans le même bordel que Tyrion. Et Varys et va capturer Tyrion. Voilà, donc l'épisode se termine comme ça. Donc ben là, il n'y a rien de très très. Il n'y a rien qui m'ait choqué, hormis l'acceptation de Sansa d'épouser Ramsay Bolton. Je trouve que c'est complètement incohérent avec son parcours, quoi. Voilà. Épisode 4, Jaime explique à Bronn que s'il croise Tyrion, il le tuera. Donc Jaime est pas du tout content que Tyrion ait tué leur très cher papa. Hein. C'est pas une grosse perte. Cersei continue de réduire son conseil restreint, donc là il est plus que restreint, il n'y a plus grand-chose. Elle rencontre le Grand Moineau et en fait elle arme la foi militante en lui offrant une armée. Donc grâce à ça, elle fait arrêter Loras Tyrell, le frère de Margaery, qui est donc la nouvelle reine, qui a supplanté donc, du coup Cersei. Et donc elle fait arrêter Loras Tyrell et plusieurs personnes dans le bordel de Baelish. Margaery donc essaye de manipuler Tommen pour obtenir la libération de son frère, parce que bon, ben, Tommen c'est quand même le roi, Margaery c'est la reine, ils sont censés avoir du pouvoir, mais tout ça n'a aucun effet parce que ben, Tommen qui est censé représenter, enfin, exercer son pouvoir en fait, n'a que trop peu de personnalité pour y parvenir et trop peu de poigne, et donc du coup, ben, ça tombe à l'eau. Après que Jon ait refusé de s'offrir à Mélisandre, cette dernière lui a dit « Tu ne sais rien, Jon Snow », mot pour mot. Donc ça laisse quand même sans voix sur les aptitudes de Mélisandre parce qu'elle n'a jamais rencontré Ingrid. Et on sait tous que c'est une phrase que Ingrid a dit à Jon Snow. Donc c'est quand même énorme. Enfin moi c'est un truc qui m'a vachement interpellé que j'avais pas du tout retenu lors de mon premier visionnage. Et donc il y a Stannis qui explique à sa fille Shireen comment sa grise écaille est arrivée. Et donc on apprend que c'était un marchand de poupées qui avait contaminé une poupée qu'elle avait achetée à Dorne. Et donc Stannis, par cette histoire, montre réellement que, il est attaché à sa fille Shireen. Et que pour la sauver de cette maladie, d'ailleurs, il a soulevé des montagnes. Littlefinger, bien sûr, explique à Sansa qu'il doit retourner à Port-Réal car il doit voir Cersei qui le demande. Bien sûr,
Il dit à Sansa que Sansa lui dit qu'elle veut pas rester seule à Moy Cailin, etc. Ben, en effet, hein, tu m'étonnes, avec les Bolton, t'as plutôt pas intérêt, c'est quand même une Stark. Mais Littlefinger la convainc, encore une fois, facilement de rester, car selon lui, Stannis va arriver avant d'aller à Port-Réal, va reprendre Winterfell et donc fera tomber les Bolton, et elle n'aura pas besoin de pousser Ramsay. Voilà. Et donc, ben, Sansa accepte et Littlefinger promet de revenir rapidement. Voilà. Un peu débile comme choix, toujours. Jamie dit à Bran qu'il aimerait mourir dans les bras de la femme qu'il aime, et devinez qui c'est, Cersei. Bon, c'est un peu dommage parce que il a quand même commencé à créer quelque chose avec Brienne, et en fait, on se rend compte qu'il est toujours très attaché à Cersei. Et petit truc assez drôle pour cet épisode, Jamie arrête en fait une épée, un coup d'épée avec sa main en fer. Donc ça, j'ai trouvé ça très drôle. Et Arya compte se venger des Lannister en s'en prenant donc à Myrcella, la fille de Cersei qui est restée à Dorne. Et pour cela, bah, elle va retrouver les Aspides des Sables qui sont les filles d'Oberyn qui a été assassinée, qu'elle veut venger. Et il y a les fils de la Harpie qui montent une vendetta contre les Immaculés. Alors ça, c'est une scène absolument extraordinaire. Les Immaculés donc sont pris, sont isolés d'un seul coup et donc se font massacrer par les fils de la Harpie. Vergrin est vraiment en très mauvaise posture. Il arrive à tuer plusieurs fils de la Harpie, mais il est encerclé et là il est sur le point vraiment de se faire tuer parce qu'il est blessé, etc. Et là en fait t'as Ser Barristan qui arrive et qui parvient à sauver, à renverser la balance et à sauver Vergrin de justesse, mais par contre au prix de sa vie. Donc c'est un moment vraiment qui est épique. La bataille est juste extraordinaire. Donc voilà, épisode 4, très très bon épisode 4. Hein, et après il y a des. En fait, c'est plus au niveau de l'écriture qu'il y a des choses qui sont gênantes, comme le fait que Sansa maintiennent le fait qu'elle reste. Enfin, elle lui dit non, Littlefinger lui dit qu'il va revenir, etc. Qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, que de toute manière, Stannis va arriver et va renverser la vapeur, mais bon, c'est quand même risqué, quoi. Épisode 5, donc il y a Jon Snow qui propose à Tormund de protéger les Sauvageons en les faisant entrer à Château Noir, et donc en échange qu'ils se battent aux côtés des corbeaux. Donc en fait, Jon Snow veut que les Sauvageons entrent, passent le mur, en fait, pour être protégés. Et en échange de ces protections, en fait, eh ben, il demande à ce qu'ils combattent les marcheurs blancs. Donc, c'est une alliance quand même qui est un petit peu chaude à faire accepter par les membres de la garde de nuit, puisque les membres de la garde de nuit sont en guerre avec les Sauvageons depuis des années, des années, des siècles, enfin, je ne sais pas combien de temps, mais depuis très très longtemps. Et du coup, ben, Holly, qui fait partie de la garde de nuit, donc qui est le jeune gamin que John a sauvé des Sauvageons, accepte très mal cette idée-là. Mais bon, quand on a besoin d'aide, hein, on a besoin d'aide. Hein. Il y a quand même le marcheur blanc en face. Brienne continue d'honorer son serment et fait parvenir à Sansa le message que si elle se sent en danger, elle n'a qu'à allumer une chandelle à la plus haute embrasure de la tour en ruine et que du coup, Brienne arrivera pour venir l'aider. Et donc, c'est une vieille dame nordienne qui passe le message à Sansa. Voilà. Donc, Sansa sait qu'elle n'est pas seule si jamais ça pue trop du cul. Miranda, la fille du maître du Chenil, est jalouse de Sansa, parce que ben voilà, Ramsay va épouser Sansa. Elle lui montre Théon, pardon, qui est dans un enclos du Chenil. Et Ramsay propose que Schlingue soit celui qui amène Sansa à l'hôtel. Donc ça y est, on commence à voir un petit peu le côté sadique de Ramsay à l'œuvre. Et donc Ramsay, par contre, de son côté, prend cher parce qu'il apprend que son père attend un nouvel enfant. Et donc, bien entendu, si cet enfant est un mâle, eh ben, il ne sera plus le principal héritier des Bolton. Lui qui s'est battu pour ne plus être un bâtard, ben, voilà. Il y a un petit gamin qui risque d'arriver. On ne sait pas trop ce que c'est. Vergry avoue ses sentiments à Missandei et Daenerys demande conseil à Missandei. Elle admet son erreur concernant les arènes et décide de réouvrir les arènes de combat pour les hommes libres. Elle annonce qu'elle va également épouser le chef d'une ancienne famille de maîtres pour essayer d'apaiser un petit peu les conflits qui règnent à Meereen. Donc comme quoi, elle fait passer son devoir quand même avant ses volontés. Et Tyrion donc voit un dragon, je crois pour la première fois. Oui, pour la première fois. Et Jorah et Tyrion se font attaquer par des hommes de pierre et malheureusement, Jorah est touché. Donc un épisode 5 qui est très très bon. Voilà, rien de particulier à dire sur cet épisode. Épisode 6, il y a Tyrion qui confie que les Targaryens sont réputés pour être fous. Bon, je crois qu'on en avait déjà eu écho un petit peu avant. Lord Baelish rencontre Lancel Lannister de l'Ordre des Moineaux à Port-Réal.
Et Baelish essaye du coup, sans divulguer toutes les informations, de créer des faux-semblants, etc., de manipuler tout ça. Je me rappelle plus où ça va le mener en saison 5. Pour l'instant, il n'y a pas de répercussions. Je sais pas si ça va pas l'amener à quelque chose de conflictuel en saison 6. Mais en tout cas, il joue un jeu un petit peu dangereux, quoi. Jamie retrouve Myrcella en compagnie de Tristan Martel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'était sa mission. Cersei avait dit à Jamie, va récupérer ma fille. Myrcella adore parce que bon, du coup, Adorne, ça pue du cul. Avec la mort d'Oberyn et l'autre qui veut le venger, tout ça, voilà. Et donc, il y a Elaria qui demande aux vipères, malheureusement, de s'emparer de Myrcella au moment où Jaime arrive. Et donc, du coup, il y a un combat entre tout ce petit beau monde. Et il y a la garde royale qui intervient, la garde royale de Dorne. Et donc, du coup, qui empêche Jaime de partir directement avec Myrcella. Et Jaime est fait prisonnier. Lady Olenna donc se rend à Port-Réal pour faire libérer son petit-fils Loras, puisque Tommen. Aucun charisme, toujours, hein. Ça ne lui est pas venu dans la nuit, d'un épisode à l'autre. Et donc, elle demande à Cersei de l'aide, mais Olenna se fait balayer d'un revers de manche. Et du coup, je trouve que cet échange, après l'avoir visionné, quand on connaît Olenna et sa joute verbale quand même, on se dit que c'est quand même quelqu'un d'affûté. Et là, du coup, elle se fait balayer quand même un petit peu facilement. Et donc, bien sûr, elle n'obtient pas l'aide de Cersei. Donc après, il y a le jugement, bien entendu, comme elle n'a pas obtenu l'aide de Cersei, il y a le jugement de Loras et de Margaery, et ces derniers sont arrêtés par la foi pour faux témoignage, parce que en effet, la foi fait appeler Olivar, l'écuyer de Loras, à la barre, entre guillemets, et Olivar confirme avoir eu des rapports homosexuels avec Sir Loras, et pour appuyer ses dires, il évoque la tache de naissance que Sir Loras a sur sa cuisse. Donc, voilà, ça pue, donc Laura s'est arrêtée pour voilà, c'est fornication, et puis Marjorie est arrêtée pour faux témoignage, parce que juste avant, justement, elle a dit que tout ce qui était avancé était faux. Voilà. Et ce témoignage vient de tout démonter. Et bien sûr, Tommen est toujours aussi insignifiant, et Cersei jubile de son côté, parce qu'elle fait arrêter la reine. Et donc, on finit l'épisode 6 avec Sansa qui épouse Ramsay, qui se fait violer le soir de son mariage, devant les yeux de Schlingue qui est en larmes. C'est vraiment une scène horrible qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque quand elle a été diffusée. Et voilà, l'épisode 6 se termine comme ça. C'est un très très bon épisode. Il n'y a rien vraiment qui cloche, mais bon, sauf ses facilités scénaristiques, on sent que. Il faut faire intervenir certains personnages pour que ce soit cohérent, mais on les fait intervenir de manière pas très très convaincante pour faire balayer, faire oh si si elle est intervenue mais elle n'a pas réussi, et voilà, pour que l'intrigue continue. Mais je trouve que tout ce qui tourne autour du grand moineau quand même, le silence, l'inexpérience de Tommen, Margaery aussi quand même, je la trouvais quand même assez longtemps en retrait, c'est quand même la reine à ce moment-là. Et puis du coup Lady Olenna pareil qui font pas grand chose, je trouve que c'est un peu facile, voilà. Épisode 7, donc il y a Sansa qui demande de l'aide à Théon, mais Théon balance Sansa, voilà. Et donc tu sais la vieille dame là qui avait dit à Sansa de mettre la bougie, l'embrasure, machin truc, elle s'est écorchée vive par Ramsay, merci Théon. Maestremon Targaryen meurt, voilà, donc un deuxième. Il y a Sir Alistair qui dit, donc du coup, suite à la mort de Maestremon, que Sam est en train de perdre tous ses soutiens et qu'on du coup, il n'est plus en sécurité. En effet, parce que Sam était protégé par Maestremon et Jon. Et donc, du coup, Maestremon n'étant plus là, ça commence à puer du cul pour Sam. Il y a Mélisandre qui soumet à Stannis de sacrifier sa fille sur le bûcher car elle. Elle voit Stannis marcher, affronter les morts. Il y a Stannis qui refuse de sacrifier sa fille, encore heureux. Et du coup, on retourne du côté du mur où là, tu as deux gardes, frère Derek et frère Brand, qui essayent de violer Ver, donc la chérie de Sam. Celui-ci arrive, se prend une tonnée monumentale. Franchement, il se fait défoncer, il se fait passer à tabac. Et donc, c'est même Fantôme, le chien de John, qui va sauver Sam. Et donc, du coup, Sam, à la suite de cet acte de bravoure, parce que franchement, il en a quand même, Sam et Ver vont faire l'amour malgré les blessures de Sam. Et donc, Sam va renier ses vœux de la garde de nuit par cet acte. Il y a les fils de la harpie, du coup, qui ont cessé les attaques car Daenerys a décidé d'épouser un des leurs. Et Dario, l'amant de Daenerys, lui demande de l'épouser. Et Daenerys refuse. Elle lui dit, il lui dit que lors des jeux de Meereen, il lui suggère de faire tuer tous les maîtres, tous les grands maîtres.
Et ce à quoi elle répond, je suis une reine, pas un boucher. Donc encore une fois, Daenerys n'est pas folle. On est quand même à la saison 5, épisode 7. Et on se rend compte qu'elle a encore toute sa tête, quoi. Et elle réaffirme ici que même si avec Dario, elle a l'air d'avoir de ressentir quelque chose pour lui, elle fait passer son devoir et elle est prête à épouser un maître, un homme qu'elle n'aime pas, pour justement imposer la paix là où elle est actuellement à Meereen. Donc du coup, c'est une bonne reine, je trouve. Là, c'est un bon choix qu'elle fait. Lady Olenna tente de faire libérer donc ses petits-enfants, parce que bah, du coup, ça n'a pas marché une première fois avec Cersei. Donc là, elle va voir le grand moineau, et le grand moineau dit qu'on ne peut le soudoyer et qu'il n'est là que pour servir les dieux et leur livre l'étoile à sa branche. Voilà. Et donc, il lui dit que c'est la multitude contre quelques-uns, parce qu'au final, il lui dit que ceux à qui elle appartient ne sont qu'une poignée et que la multitude de ceux qui vont se réveiller vont finir par renverser l'ordre établi. Donc c'est un discours politique très très intéressant justement entre les deux visions de ces deux mondes. C'est vraiment, il est très bien mené. Et là pour le coup, il est beaucoup plus intéressant que l'échange que Lady Olenna a avec Cersei. Et donc du coup, étant donné que Lady Olenna fait une deuxième fois chou blanc, elle va voir Littlefinger et le menace de dévoiler son implication dans le meurtre de Joffrey si jamais il ne fait rien pour tenter de sauver Margaery et Loras. Voilà. Tommen, lui, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire étant donné qu'il a le charisme d'un bulot? Il s'affame suite à l'arrestation de Margaery et menace de déclencher une guerre contre les disciples de la foi, mais Cersei l'en dissuade parce qu'il est manipulable. Myrcella renvoie balader Jaime, parce que donc Jaime a retrouvé Myrcella, voilà, il se fait arrêter, etc. Bon, c'est en train de se régler. Il demande à Myrcella, donc il lui dit qu'il est là pour la ramener à Port-Réal en sécurité parce qu'à Dorne c'est dangereux, mais elle lui dit qu'elle refuse, qu'elle veut rester à Dorne car elle aime Tristan. Et Bronn, de son côté, donc le compagnon de Jaime qui est venu l'assister dans cette quête, est empoisonné lors du combat avec les vipères. Et il est sauvé de justesse par celle qui l'a blessé, en fait, et lui donne le remède. Parce qu'en fait, il a été coupé par une lame, et sur cette lame, il y avait poison, et un seul contact peut tuer un homme. Important pour la suite. Daenerys ne supporte pas la tradition des jeux d'arène. Pour elle, elle transforme le meurtre en divertissement, c'est ce qu'elle dit. Et en assistant en présélection des jeux d'arène, elle retrouve Jorah et croise enfin la route de Tyrion. Et moment jubilatoire de cet épisode 7, les révélations de Lancel, le cousin avec qui Cersei a couché, font que Cersei se fait arrêter par la foi et est emprisonnée. Donc ça, c'est juste génial parce qu'elle le mérite amplement. Donc épisode 7, voilà, très bon épisode, il y a de bons échanges, je trouve que c'est un épisode qui est plutôt intéressant à suivre. Voilà. Épisode 8, donc nous avons Daenerys qui met Sir Jorah dehors la ville et qui récupère Tyrion. Voilà, elle ne l'exécute pas, parce qu'elle avait dit que si elle le renvoyait, elle l'exécuterait. Donc là encore, on voit qu'elle est quand même clémente, hein, elle fait pas n'importe quoi. Arya devient Lana et elle obtient sa première mission de sans-visage. Elle doit aller tuer un gars sur le port, là, je sais plus pourquoi. Bon bref, c'est pas très très intéressant. Et Daenerys confie à Tyrion de vouloir broyer la roue et non l'arrêter. Je crois que la métaphore de la roue reviendra par la suite, c'est pour ça que je souligne ici. Tommen refuse toujours de s'alimenter et suite à l'arrestation de sa mère, du coup, qui a complété le tableau. Ollie, le jeune fermier qui a perdu ses proches donc à cause des sauvageons, n'accepte pas que John parte pour amener les sauvageons. Et le gros de l'épisode, en fait, se passe à Durlieu et du côté de John, où là, il y a une scène qui va durer au moins une bonne vingtaine de minutes, où on voit John qui arrive à Durlieu avec quelques hommes pour tenter de ramener les sauvageons et pour qu'ils prennent part à la bataille contre les marchands blancs. Et lorsque John va arriver à Durlieu, il va être confronté à l'armée des marchands blancs. Et donc là, c'est juste dantesque, c'est un épisode absolument magnifique. Et on apprend même dans cet épisode que des araignées de glace existent, mais je crois que ces araignées de glace, on ne les verra jamais de mémoire. Voilà. Donc c'est bien dommage. Donc très très bon épisode, pareil, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Épisode 9, donc il y a Mélisandre qui met le feu au campement de Stannis. Alors moi, c'est ce que je pense. Officiellement, Stannis dit que ce sont 20 hommes qui ont fait ça, qui ont mis le feu. Personnellement, moi, je crois que c'est Mélisandre qui l'a mis pour manipuler Stannis. Stannis fait partir Sir Davos pour Château Noir. À ton avis, pourquoi? Parce que Stannis accepte de faire brûler Shireen sur un bûcher. Ça y est. Et donc, il va virer Sir Davos et Sir Davos dit au revoir à Shireen, pensant qu'il la reverra, mais malheureusement, on sait tous comment ça va se terminer. Shireen finit sur le bûcher et sa pauvre mère, qu'on pensait un petit peu sans cœur,
essaye d'intervenir, mais en vain. Sir Alistair ouvre la porte du mur, ce qui n'était pas gagné, parce que Jon Snow, du coup, se retrouve à l'extérieur du mur avec les Sauvageons. Il n'a personne de confiance de l'autre côté avec un réel pouvoir. Et donc, c'était à Sir Alistair qu'il avait confié cette mission. On ne sait pas trop si Sir Alistair va accepter de faire entrer Jon Snow ou s'il va le piéger à l'extérieur du mur. Il accepte. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais Holly désapprouve toujours. Adam, le roi d'Oran, accepte que Myrcella reparte avec Tristan. Donc, ça, c'est cool. On dit chouette, Myrcella va rejoindre Port-Réal et être en sécurité. Et en échange de reconnaître la légitimité de Tommen également, il demande à ce que Tristan fasse partie du conseil restreint. Donc, ce que Jaime accepte. Donc, en fait, on a le roi d'Oran qui reconnaît la légitimité de Tommen et Sir Tristan qui va intégrer le conseil restreint de Port-Réal. Et il y a Ilaria qui fait allégeance. Et Ilaria, donc, qui voulait absolument venger la mort d'Oberyn, qui là, d'un seul coup, retourne sa veste. Arya retrouve Sir Meryn Trant. Elle le suit jusque dans un bordel où ce dernier cherche de très jeunes filles. Voilà. On ne dit pas plus pour l'instant. Et le combat dans l'arène avec le retour de Jorah est très touchant. Mais par contre, il y a un bémol. Donc, le combat dans l'arène, c'est magnifique. Daenerys est en danger. Sir Jorah la sauve in extremis, etc. Et puis, au moment où ils sont tous acculés dans l'arène, là, donc t'as Mélisandre, Tyrion, Sir Jorah, Daenerys qui sont au milieu de l'arène, qui sont vraiment en très très mauvaise posture, le dragon de Daenerys Drogo arrive, fout le feu, essaye de dégage quand même pas mal, déblaye le terrain pas mal, et là Daenerys qui se barre. Et là, tu te demandes comment, quand même, le reste de ce qu'il y avait a pu survivre à l'attaque, clac, ça coupe. Donc là, encore une facilité scénaristique. Après, bon, l'épisode n'en demeure pas moins très intéressant et très bien fait, mais voilà, il y a quand même. Toute cette saison 5 va être jalonnée de petits faux pas, quoi. Voilà. Des choses pas très très correctes. Alors que tu vois, la saison 1, 2, 3, 4 dont je t'ai parlé juste avant, je prends mes notes comme je fais à chaque fois devant chaque épisode, ce qui peut m'interpeller, etc. Et j'ai pas eu de notes comme ça par le passé, quoi. Ou si j'en ai eu, pas autant. Et donc, évoquons le dernier épisode, l'épisode 10. Donc, suite à la mort de Shireen, Stannis est glacial avec Mélisandre, voilà. Et du coup, il y a la moitié des hommes de Stannis qui se barrent, voilà, qui désertent. Et la femme de Stannis est retrouvée pendue à un arbre. Donc, Mélisandre sent que ça pue du cul très fortement pour elle et qu'elle a très mal joué en faisant sacrifier Shireen. Et du coup, elle déserte à cheval. Sam demande à John de le laisser partir avec Ver et le bébé pour Villevieille afin qu'il puisse devenir maître, ce que Sam accepte. Sansa prend le risque d'aller allumer la bougie dans la tour. Alors ça c'est juste ironique. Elle allume la bougie dans la tour et à ce moment-là, Pod, qui était en train de surveiller la tour avec Brienne, qui était pas loin, avertit Brienne que l'armée de Stannis est en train de marcher vers Winterfell. Et donc du coup, ben, Brienne part, parce qu'elle a toujours juré qu'elle tuerait Stannis pour le fait qu'il ait assassiné le roi qu'elle protégeait. Elle part au moment où Sansa allume la bougie et donc du coup loupe le signal de détresse de Sansa. Et les Stark, c'est que ça, parce que Arya qui arrive pour retrouver sa mère et son frère, zic. Arya qui arrive pour retrouver sa tante Lysa, zic. Et là, Sansa qui demande de l'aide, zic. Voilà. Donc je trouve ça super drôle. Voilà. Toujours en parlant de Stannis, ben, celui-ci est défait lors de sa bataille contre les Bolton. Et il est en mauvaise posture à la lisière de la forêt. Il va croiser Brienne. Il confirme bien que c'est lui qui a assassiné le roi dont Brienne était chargée d'assurer la sécurité par la magie du sang. Et du coup, Brienne l'exécute. Voilà, donc fini pour Stannis. Ça valait bien le coup de brûler Shireen dans les boules. Théon sauve Sansa. Voilà. Donc il la sauve, il n'y a pas de souci. Il la sauve en sautant des remparts du château. Ouais, c'est très plausible. Moi, je me dis franchement, j'ai toutes mes chances. Je saute des remparts du château, j'ai toutes mes chances de survivre. Donc voilà, encore un truc complètement tiré par les cheveux. C'était le truc what the fuck de l'épisode 10. Il y a Sir Meryn Trant qui bat des jeunes filles dans le bordel. Vous savez, Arya l'a suivi, tout ça. Elle a vu qu'il était dans un bordel, tout ça. Il cherchait des jeunes filles. Donc là, on se rend compte qu'en fait, il est bas. Et donc, Arya se fait passer pour l'une d'entre elles et finit par crever les yeux de Sir Meryn Trant, le poignarder et le tuer. Yes! Parce que Sir Meryn Trant a quand même tué le maître à danser d'Arya. C'est pour ça qu'elle en avait après lui. Et puis, il a humilié Sansa lors du règne de Joffrey. Voilà. Donc il a quand même une mort hyper sauvage, mais c'est bien mérité. Sauf que ben, Arya va le payer cher, puisque ils vont s'en rendre compte au niveau de la communauté des sans-visages, Jacques Arakan, ou je sais pas quoi. Il va s'en rendre compte, et du coup, Arya va perdre la vue.
Voilà. Et donc là, je crois que là, l'intrigue va durer. Voilà. Et après, autre point important, Adorn, Myrcella meurt après un baiser fatal avec Ilaria. Et oui, tu sais, le fameux poison dont je te parlais, hein, qui rentre en contact et qui tue, eh bien en fait, Ilaria en a mis sur ses lèvres. Avant le départ de Myrcella, elle l'embrasse. Myrcella en train de papoter là, avec Jaime dans le bateau. Et là, pff, le nez qui coule et zic! Plus de Myrcella. Donc bah, la voyante qu'avait vue Cersei en début d'épisode, le petit flashback qu'on avait eu, bah, en effet, pour l'instant, c'est plutôt bien barré, puisqu'il y en a déjà deux sur trois d'évacués. Et donc, il y a Aemerin, Vergrim, Missandei et Tyrion qui se retrouvent dans le rôle de diriger Meereen, pendant que l'autre partie va chercher par la recherche de Daenerys, parce qu'elle est partie à la fin de l'épisode 9 sur le dos de Drogo, mais Drogo ne peut pas ramener Daenerys car il est blessé. Et donc, bah, eux ne savent pas bien sûr ce qui s'est passé. Ils partent à la recherche de Daenerys et ils confient la direction de Meereen à Vergry, Missandei et Tyrion. De son côté, Daenerys, elle, croise bah, une horde de Dothraki. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Cersei avoue un petit péché, hop, et expie son péché par la marche de la rédemption, dans laquelle elle déambule nue dans les rues de Port-Réal. Elle est autorisée à retourner au Donjon Rouge. Donjon. Et à son retour, elle découvre la montagne donc, que Frankenstein lui a fait là, son nouveau maître. Voilà, lui a fait un grand soldat qui ne parle pas, qui fait très très peur, donc qui porte le nom de la montagne. Donc là, voilà, une grosse facilité scénaristique, Cersei qui expie juste un péché, qui se retrouve, ok, vas-y, va au donjon rouge, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. On a Mélisandre qui arrive à Château Noir en omettant de dire la vérité sur les circonstances de la mort de Shaerin, parce qu'elle est au courant. Et là-bas, il y a Sœur Davos qui y est, mais elle n'en dira pas mot sur ce qui s'est passé, parce qu'elle sait très bien ce qui va lui arriver. Et la saison, enfin, on arrive au dernier point. La saison se termine avec la mort de Jon Snow. Jon Snow qui est amené à l'extérieur par Olyn, tu sais, le petit garçon là dont je te parlais, qui n'est pas du tout content que Jon Snow ait ramené les Sauvageons. Ben, Olyn l'attire à l'extérieur. Jon Snow se fait poignarder par plusieurs membres de la garde de nuit. Et Olyn lui porte le coup fatal. Et Jon Snow est laissé pour mort, enfin est mort, meurt à la fin de la saison 5. Voilà comment se termine cette saison 5. Donc saison 5 qui est très bonne, voilà, après des choix un petit peu incohérents par rapport au parcours de Sansa, voilà, l'ordre du grand moineau, enfin l'ordre des moineaux et de la foi qui arrive, voilà, le fait que le grand moineau accepte que Cersei justifie ses péchés, enfin expie son péché avec seulement un péché, même s'il y a un procès après qui va arriver, enfin. Ça fait un petit peu cousu de fil blanc. Je trouve que déjà cette saison 5 marque, commence à marquer, à laisser des traces de lacunes au niveau de son écriture. Voilà. Donc on continuera d'en parler après dans les saisons à venir. Mais dis-moi ce que tu en penses. Mais moi, en tout cas, pour moi, cette saison 5 commence à montrer quelques faiblesses du fait, à mon avis, qu'il n'y ait plus les romans. Je pense pas que ça soit que la. Je pense peut-être que les scénaristes étaient fatigués, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. Que du coup, ils savent pas trop quoi faire. Et qu'ils avancent un petit peu à l'aveugle, quoi. Et ça va se voir après, je pense, un peu plus en saison 7. Je te reconfirmerai ça quand on en parlera. Donc voilà, la vidéo sur la saison 5 de Game of Thrones est terminée. Je t'avais prévenu qu'elle serait longue parce que j'avais plein plein de choses à dire. N'hésite pas en commentaire, ben voilà, à me dire ce que t'en penses, à liker, partager, etc. Tu connais la routine. On se reverra très prochainement pour une autre vidéo, mais cette fois ce sera une critique à chaud de la saison 2 d'une série, c'est une nouvelle série. Voilà, la première saison était sortie il y a 7 ans, et donc du coup la saison 2 est sortie très récemment avec un super cast, et pour l'instant je t'en dis pas plus. Et donc je viens de finir de la visionner, et je te ferai une petite critique à chaud de cette saison 2 très très vite. En attendant, je te souhaite de passer un très bon week-end, et te dis à très bientôt. Bye!